Je salue ma couille, comment ça va? On se retrouve pour un petit peu de Smash. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On va jouer un peu Chrome parce que c'est un perso que j'aimais bien jouer avant. Avant que je comprenne que sa recovery est à chier. Tu vois? C'était un peu ça. Avant que je comprenne que, en fait, c'est ultra facile d'aller tech guard. Stylé. Non! Putain, ça tue pas à 137%, c'est de la merde! Mais incroyable les spot dodge qu'il fait par contre. Merci! Ça c'était pas mal. Incroyable, elle était derrière moi. En fait. Ha! Tu attendais pas à celui-là? Ok, ça c'était bien joué. Nice! Heureusement qu'elle a pas air dodge, sinon j'étais mort. Hein. Sinon, je vous le dis, j'étais mort. J'aime bien. J'aime bien le feeling des coups. T'as l'impression que tu donnes une patate à chaque coup, même quand c'est un jab. C'est. Encore, elle est restée, bon ok. Si tu veux te faire péter la gueule deux fois de suite, c'est à toi de choisir. Bon, pour l'instant, c'est pas trop ce qui se passe, mais bon. C'est une question de temps. Je remonte. Oh, Dieu merci, je remonte. J'étais pas sûr de remonter. Oh, c'est tellement beau. On tente le two frame. Ça marche pas. Oh, l'allonge de malade. Eh oui. Elle aurait dû s'y attendre. Moi, je tente tout le temps ça. Quand le mec a raté son coup pour s'accrocher au ledge, faut tenter ça. Vraiment. Oh mais non! J'étais trop content de ma ride là. Bon là, on s'est jeté dans la gueule du loup littéralement. Bye bye! Ah non. Elle fait n'importe quoi, on est d'accord. N'importe quoi! N'importe quoi! Tu savais que là, c'est ultra risqué ce que je fais, parce que là, à ce moment-là, si elle air dodge, et ensuite elle fait son saut, elle revient sur le terrain, bah c'est elle qui gagne. Une petite mi! Et FCF, le pseudo du gars, c'est pas. Oula, ça rame un peu. FCF, c'est pas FC Fleur de Ponce sur Twitch, là? Ah, c'est possible. FCF Ace. Bon, il casse les couilles, c'est bon là. C'est pas parce que t'es soi-disant pote avec un streamer que tu peux te permettre de me faire ça. Va te faire foutre. Eh oh. Genre, le mec il débranche son câble au moment où j'ai l'avantage. Comme ça, comme ça me coupe mes phases d'avantage. Genre le blaireau quoi. Oh, il fait chier, il est trop mobile. Beaucoup trop mobile. Ah là, j'ai bien niqué. Bien fait. C'est une question du ride. Ok. Ok, si tu veux, mon gars. Dommage qu'on n'a pas les taunts parce que là, j'aurais bien taunté. C'était un peu dégueulasse de taunter là, mais. Mon chrome il fait le taf, hein, mine de rien. Merde, un grab. Incroyable comment je les grab là. Non! Non! Ah, c'est bon, ok. Comment il fait pour mourir si facilement? Parce que quand je lui ai sauté dessus à la fin, c'était pour l'edge guard. Hein. C'est pas pour qu'il fasse sa technique de à deux balles là. Aïe. Non, en fait, ça, en vrai, j'ai l'impression que tous les épéistes battent les persos corps à corps. Ou c'est moi. Parce que j'ai meilleure allonge.
Du coup, forcément, forcément, je le bats, tu vois. Logique. Tu vois, là par exemple, c'était un no match. Là, j'aurais pu tellement l'avoir si j'avais un meilleur timing. Il est mort? Non, il est pas mort. Bien fait. Il m'aura pas comme ça. Oui, il s'est pris pour Falco, quoi. Il a essayé de me spike, il est sérieux. J'ai mon saut, j'ai mon saut, j'ai mon saut. J'avais mon air dodge aussi que je n'ai pas utilisé. Je sais pas pour quelle raison. Explique-moi pourquoi tu t'as mis de l'autre côté. Merci. Il y a un combo avec le down tilt où tu peux spammer down tilt, lui courir après down tilt, down tilt. On va essayer. Apparemment c'est ça. Bon, il se fait avoir à chaque fois, ça c'est cool. On aurait pu s'amuser longtemps. Putain, on s'amusait tellement. Pourquoi tu fais ça? Oh, comme il a air dodge pile au bon moment, sinon il était mort. On refait? Eh oui, mais oui, mais... Les recovery de Fox et Falco, c'est les plus faciles à punir. Vraiment. Faut tout le temps les punir, parce que c'est... Tu sauras que tous les Fox et tous les Falco, ils essayent de surtout pas utiliser le up B pour remonter sur le terrain. Parce que sinon, ils se font punir. Donc dès que tu vois qu'il l'utilise, parce que quand il l'utilise, c'est qu'il a plus d'autre choix. Dès que tu vois qu'il l'utilise, il faut le punir instantanément. Parce que c'est... Il est dans ses derniers retranchements quand il fait up B. Sache-le. Ah! J'ai l'impression que j'ai pas le match-up, non? Ou peut-être que oui. En vrai, les Samus, tout le monde se plaint des projectiles et tout. Mais... Fonce-lui sur la gueule. Si tu lui fonces dessus, il peut pas jouer. Il peut pas tomber de ses projectiles. Voilà, comme ça. Tu vois, tu le laisses pas jouer. Et voilà comment il faut jouer contre les Samus. Après, il se suicide dans le vide. Tellement il a peur, tu vois. C'est comme ça qu'on joue contre les Samus. Il y a les objets! Il se fout de ma gueule, il y a les objets! Mais quel... Non, mais sort, là, c'est pas... Non, j'ai le grab. Eh oui. Oh, je pense que c'est le meilleur Pokémon que je pouvais avoir. C'est lui renvoyer ses projectiles sur sa gueule. Oh, et puis il y a les terrains qui changent. Oh mon dieu. Ok, je crois que le Final Smash a un peu bugué, mais je l'ai mis quand même. Écoute mec, tu joues avec tes objets. Moi je suis le pro des objets, j'ai oublié de te dire. J'ai oublié de te dire, mais si tu mets les objets, c'est moi qui gagne. Hein. Ah mais c'est même pas 3 vies en plus, c'est le temps. Vas-y, prends le marteau. Non, tu le veux pas? Bon, je le prends alors. Je suis tellement fou, c'est horrible. Allez, nique ta mère. Oh merde, je suis pas remonté. Bon, tant pis. Putain, c'est la meilleure game que j'ai faite depuis 10 ans, je crois. En tout cas, la plus marrante. Il a arrêté de jouer, le gars. Ah, mais il y a encore du jus là-dedans. Tiens. Attends, je vais prendre ça. J'ai pris un réflecteur, c'est excellent. Encore une fois, c'est le meilleur objet que je pouvais trouver contre Samus. Oh, j'ai ça! Non! Fallait pas sauter! Ouais, ou va ici aussi, ça me va très bien. Oh, meilleur game du monde, ça. Le mec, il sait pas quoi faire. Hein. Le mec est démuni. Ouais, va dedans, c'est bien. Va dedans. Debout. Le mec,
Le mec en a marre de la vie, là, c'est plus possible. Le mec en a marre de la vie. Oh, là, il a pas eu de chance, par contre. Allez, tiens! C'est toi qui mets ces règles-là, c'est pas moi, mec. Hein. Je t'en ai marre. Ça. Allez! Ah non, ce truc, c'est bien, en vrai. Ok! Très beau match. Celui-là, je pense que je vous le laisserai en entier tellement c'était magnifique. Alors là, on gagne des points en Elite Smash pour... C'est largement mérité, celui-là. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait faire une compétition avec les objets, parce que... Enfin, non, pas forcément avec les objets, mais... Parce que tu vois, quand tu joues avec les objets ou bien avec un terrain qui se transforme, comme là, c'est là que tu vois les vrais bons joueurs. J'adore faire ça. C'est là que tu vois les vrais bons joueurs. Parce que un mec qui est vraiment fort, il arrive à gagner même avec les objets. Merde, pas assez d'angle. Merde, c'est pas le ballon que je visais. Attends, on est trois? On est trois? Mais c'est quoi ce jeu? On est trois? Je tiens à vous dire que j'ai mis mes règles perso, hein. Des règles où je veux 1v1, 7 minutes, 3 vies. Mais le jeu, on a rien à foutre. Le jeu me chie à la gueule, là. C'est pas possible. On est 3 et on est avec les objets, c'est ça? Putain, j'ai déjà sorti Little Mac, quoi. C'était pas mal, ça, en vrai. Ça, c'était stylé. Mais laisse-moi tuer Little Mac au lieu de... Voilà, merci. Docteur Mario, il casse les couilles, hein, vraiment. Anti-fun, le gars. Oh, pas mal, ça. Double coup. Pourquoi il me focus, moi? Il a compris qu'il était son maître. Il a peur. Mais regardez, Docteur Mario, il est en face de Little Mac, il le frappe pas. Il court vers moi, comme un gros connard. Merci! C'était bien joué. Ça, c'était bien joué aussi. Je m'en fous. C'était une vie... C'était worse de la perdre, celle-là. Très clairement. On se refait un match, les gars? On s'entraîne pour le tournoi à 3 joueurs? Ah non, attends, ça n'existe pas. Ah ouais, c'est vrai. Ah, est-ce que j'ai l'avantage là? Moi je dirais que oui quand même. Ah ça c'était vache quand même. Ah ça c'était bien. C'était bien aussi ça. Non! Il reste combien de temps sur le terrain, sa mère? Oh, ça existe ça? Ok. Ce perso est pas mal finalement. Mais lui, il a juste à appuyer sur B. Moi, je dois faire du ping-pong. C'est de la triche quand même, non? Nice. Putain, ça fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, 15! Je pensais qu'après l'avoir renvoyé 15 fois, ça ferait un peu plus, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis allé dedans comme un teubé. Non, il est trop lent, son truc. Il pourrait pas sortir plus vite. Bon, en fait, je m'en fous. Je joue un peu là, en vrai. Je pouvais le tuer depuis longtemps, mais bon. Oh, oh, quelle session de merde. Bon, d'un autre côté, je monte. Hein. On est remonté à 7 600. Putain, j'étais vraiment bas. Hein. J'étais vraiment bas. Je devais être à 5 millions, un truc comme ça. Sachant que le Elite Smash est à 11 millions en ce moment. 11 millions 100, je crois. Ah, un vrai combat, cette fois.
Mano à mano, duel, sans objet, sans mecs qui savent pas jouer. Ouais, le mec il space ses fers, donc c'est un peu plus de niveau là. Ouais, écoutez, on tente des trucs, hein. Je fais un peu du cacafouillage, mais ça passe. Ah, ça fait mal ça. Très, j'aime bien ce combat en vrai. Vraiment bien ce combat. C'est vraiment le duel d'épéiste. Tu peux t'arrêter, hein. Pourquoi le dernier coup il touche? Incroyable. Oh la chance! Incroyable. Incroyable. Le mec s'appelle 16 bits. On a vu qu'il était le meilleur épéiste, tout simplement. Bon, ok. Dernier match cette fois. Contre Shulk. Shulk qui est un épéiste. Sauf qu'il triche et il custom son épée. Il lui donne des buffs. Donc, autrement dire que. Autant dire que s'il gagne, enfin si je gagne, ce serait la honte pour lui, quoi. Le mec a une épée buffée, quoi. Oh là 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 là! Monsieur relou, là! Merci. Au revoir, merci! Allez, ciao, la vicos! Oh, j'aurais pu l'avoir! Bon, il fait tout le temps la roulade, ça, on commence à comprendre maintenant, hein. Et puis la merde là aussi, ça accessoirement. On le découvre petit à petit. Yes! Je me disais, s'il vient, je fais ça, sans tous les jours. Ah. Voilà, écoutez, c'était une belle fin, très belle fin. La meilleure fin que je pouvais vous proposer. Et on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis salut, salut, et à la prochaine. Allez, ciao, ciao, c'était Julien, à plus.